Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo un peu particulière. C'est une vidéo on va dire le jour même. C'est-à-dire que hier par exemple vous avez une vidéo mais qui a été tournée en fin de semaine dernière. Donc j'ai toujours une ou deux vidéos d'avance avec Yannick pour dire que si j'ai quelque chose... Je peux me retourner pendant 2-3 jours si je suis pas bien. Je pense que je vous l'avais déjà expliqué. Là, si vous attendez, c'est Monk. Il a été promené et il a chaud. Il fait fort chaud. On a baissé un peu les volets pour les chiens. Oui, je vais vous expliquer aussi mes lunettes. Je ne sais pas par quoi commencer. Donc, ça a été une semaine pas très facile pour moi. Bon, en début de semaine, je suis allée au laser avec Grisouille et ça a été très dur parce que j'ai commencé à avoir des vertiges. Et puis, pendant 2-3 jours, je n'avais plus la possibilité de me lever. Donc, j'ai dit, au bout de 3 jours, si ça passe pas, je vais appeler un neurologue, ce qu'on a fait. Donc, prise de sang, une petite hospitalisation à domicile, hein, tout ce qu'il y a à faire, traitement et tout. Et puis, j'avais peur que ça ne passe pas. Et je me dis, mon Dieu, je n'ai pas toujours resté avec des vertiges comme ça. Et ça passe tout doucement. Là, aujourd'hui, je vous fais la vidéo parce que je suis un peu mieux. J'ai envie de vous faire cette vidéo parce qu'il fait très beau. Mon cas a été promené. Grisouille est juste à côté. Je ne sais pas si je vous fais pencher la caméra, vous allez voir parce qu'il est... Il bouge pas très... Voilà, il est toujours à mes côtés, toujours là. Il bouge pas. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Voilà, merci Yannick. Voilà, alors les lunettes. Eh ben, j'avais mis mes lentilles parce que mes lunettes, j'avais l'impression qu'elles n'étaient plus assez fortes. Donc, il y a 15 jours, 3 semaines, on est allé, j'avais déjà fait les visites ophtalmologiques, hein, puisque avec la sclérose en plaques, il faut les aller régulièrement, puisque ça touche la vue aussi. Et donc, je suis allée avec mon ordonnance et on se dit, on va changer, parce que ça avait un peu diminué, parce que je suis très myope, hein, je fais moins 8,5 et moins 7,5. Ça a encore baissé, donc de ce fait, et j'ai eu les lunettes et je trouve que je vois beaucoup mieux. Donc les lentilles, c'est plus d'actualité. Et puis je me dis, le noir me va bien. Et puis on a pris des formes rondes, un peu comme à Harry Potter. Non, mais bon, voilà, je vieillis aussi. Alors faut que tout vieillit en même temps, on va dire. Faut vivre avec son époque. Voilà, donc moi comme je suis repris à 100%, je suis myope, j'ai pris une mutuelle qui couvre bien, mes lunettes sont remboursées. Et même Yannick, on l'a fait en même temps, comme ça on les avait depuis quand même une huitaine d'années, ça faisait bien de changer, c'était très bien. Voilà, bon ça c'est pour la petite anecdote des nouvelles lunettes. Voilà, je voulais vous expliquer ma semaine. Bon, là mon traitement commence à faire effet parce que ça va faire 6 jours que je le prends. 3 fois par jour pour mes vertiges. Je voulais, alors à la neurologue on s'est donné le week-end, c'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mercredi on s'est dit si ça va pas, lundi il y a hospitalisation ou bolus de cortisone à la maison ou hospitalisation s'il y avait autre chose. Parce que comme je fais beaucoup de malaise vagal, on se pouvait dire que c'était mon nerf vague qui était toujours touché. Je suis contente parce que je vais un peu mieux. Demain il est lundi. Alors je me dis, je vais peut-être passer à côté des bolus parce que c'est jamais agréable de faire des bolus de cortisone avec les effets secondaires. Et puis j'en ai fait tellement beaucoup. Je me dis, si je peux éviter. Donc je me dis, là, je suis contente. Alors je vous ai fait cette petite vidéo pour vous dire que je vais un peu mieux. Cette semaine, vous ne l'avez pas trop vu. Bon, j'ai fait une ou deux vidéos en moins. Mais j'ai fait, quand j'étais vraiment, je commençais pas à être bien là. Le haut l'action, après la vidéo d'avant avait déjà été faite. Il y a toujours une ou deux vidéos qui sont faites d'avance. Yannick vous les a mis cette semaine et ça m'a permis de me reposer. Donc la neurologue m'a dit canapé, repos, lit au mieux. Donc comme j'aime pas être au lit, j'aime mieux être allongée dans mon canapé à la L. Donc j'ai fait que du crochet, du crochet, du crochet. J'ai pas fait de scrap en soi. Parce que c'est pas facile avec un plateau, on ne fait pas toujours droit ou comme on veut. Donc je me suis dit peut-être cette semaine je vais m'en remettre tout doucement. Donc je préférais faire du crochet pour rien penser. Parce que même si je regarde un film, je pense à... comment dire, on pense quand même. On pense quand même. Hein. Donc j'ai tricoté. Donc,
Donc je voulais vous venir à ça parce que beaucoup de personnes ont vu que j'ai mis, enfin que Yannick a mis un lien sur une boutique Etsy que j'ai fait parce que je me rends compte effectivement que je crée énormément, pourtant j'envoie et j'offre énormément aussi, mais une après-midi et même une grosse après-midi, hein, parce qu'à partir même là, c'était dès le matin 10 h, hein, je faisais 1 heure des petites choses, me laver, tout ça avec l'aide de Yannick, avec faire plein de choses, mais qu'après, j'arrive pas à pas dormir la journée comme ça. On reste, les nuits sont dures aussi. Donc au soir, voilà, je suis dans mon lit, mais je tricote. Donc je faisais des choses. Donc je me suis dit, je vais les mettre sur une petite boutique Etsy. Je me suis fait ça. Je me suis dit, je vais mettre des petites choses pour dire de me racheter des matières premières pour mon crochet et acheter des couleurs. Voilà, c'est tout un. J'ai fait des notes parce que je me rappelle pas de tout. Alors, le temps du canapé, je vous l'ai dit, le robot le plus possible, que la neurologue, on a parlé le plus possible, et puis finalement, ça a payé quand même, je me dis. Hein. Donc, c'est vrai que le stock est énorme, donc je mets petit à petit, parce qu'effectivement, ça coûte aussi de mettre une annonce sur Etsy, parce que Etsy prend déjà, quand vous mettez l'annonce, prend un pourcentage quand vous avez vendu. Donc après, il faut déduire. Et puis, ça sert à rien de mettre des sommes extravagantes. Hein. Moi, je mets simplement par rapport à ce que m'a coûté le papier, les frais que ça me coûtait ici. Mais au moins, ça me permet de pouvoir acheter soit de la matière première. Et puis, ce qu'il y a en trop, ça me permet de faire une petite cagnotte pour dire, voilà, pour mes bibous, je peux contribuer moi avec ce que j'ai fait au laser de grisouille et pas prendre sur le budget on va dire familial qu'on a et dire voilà je suis contente d'avoir fait quelque chose que ça peut contribuer et de dire enfin pour moi c'est dire je travaille enfin c'est pas ça que je veux dire je travaille pas j'ai une pension bon ça c'est la chose de la maison, ce que Yannick a aussi, bien sûr, hein, c'est les revenus de la maison. Mais ce que je peux payer à mes chiens, je suis contente de l'avoir fait avec ce que je crée. C'est ça, Yannick, que je veux dire. Hein. Je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. Voilà. Je me sens utile, quoi. Je ne me sens pas inutile, voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo, hein, c'était pas grand-chose, je voulais parler de cette semaine et que je suis tellement contente que ça va mieux parce que j'avais peur que ça n'aille pas et que voilà, il restait plus qu'une vidéo d'Aol AliExpress que j'ai fait mais que je vous mettrai, Annie vous mettra dans la semaine. Hein, et après c'était tout, il n'y avait plus de vidéo, donc il aurait fait un message et puis c'est tout, hein, c'est comme ça. Hein, et je suis contente que ça va mieux. Voilà, hein, et je fais le plus possible pour me soigner, pour que j'aille au mieux, pour dire de continuer mes vidéos, parce que pour moi, je sens vraiment que c'est un bien-être de faire ces vidéos. Là, le crochet, ça me passionne. J'avais un projet d'album, il est en route, hein, il est commencé. Depuis 10 jours, il est là, hein, mais je le finirai tout doucement cette semaine pour vous montrer. En tuto, parce que quand j'avais fait l'album de maman avec Stampéria Provence, beaucoup de personnes m'ont envoyé des mails et des messages. Comment tu fonctionnes avec les U? Je pensais que la structure en U était connue de toutes. Donc je me suis aperçue que non, et moi je ne l'ai pas fait parce que c'était quelque chose, je pensais, comme il y avait beaucoup de vidéos, je vais faire un petit album, ça sera très rapide, hein, pour vous montrer comment fonctionne et comment je déduis la mesure par rapport au U que je colle à l'intérieur. Voilà, et comment je fais les pochettes, la structure, tout ça. Voilà, donc je vous remercie. Et puis, la lien de la boutique, c'est en barre d'infos, hein, comme je pense que tout le monde commence à le voir. Hein. Je ne voulais pas spécialement le dire, mais comme j'ai tes messages, pourquoi j'ai fait ça et dans quel but? Le but, il n'y a pas de but, hein, franchement, il n'y a pas de but. Hein. C'est simplement pour dire, voilà. Ça s'entasse dans des boîtes en plastique, hein, mes petites boîtes de création, et puis j'en mets dans mes armoires, les petits coussins que je fais, sans bon, j'en offre. Quand on m'envoie quelque chose, j'envoie un courrier avec une création. Les albums, j'en ai beaucoup offert. Je peux vous dire que sur 1 an et demi, vous voyez les tutos que j'ai fait, j'en ai énormément, même avec les photos. J'en offre à la famille, à ma mère, à mes parents, enfin à ma mère, hein, puisque mes parents, mon père, on va dire que c'est pas trop son truc, hein, et voilà, mais bon, il apprécie quand même, hein, il regarde.
Donc voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, ben, je vous remercie, je suis contente d'être là. Passez un bon dimanche. Là, on est dimanche matin, vous allez avoir la vidéo dans la journée, Yannick va vous la mettre aujourd'hui. Je vous remercie de tout mon cœur d'être compréhensif avec moi, de savoir qu'aujourd'hui, ben, la maladie, c'est pas facile, hein, c'est ce que je vous disais, hein, et que des fois, ben, vraiment, on a vraiment des bas. Et on, je vais pas vous dire, hein, la peur n'évite pas le danger, mais des fois, j'ai peur quand même. J'ai peur quand même de ce qui peut m'arriver parce que je me dis dans l'état que j'étais, si, parce que des fois, avec, enfin, des fois, souvent avec la sclérose en plaques, ce qu'on a, eh ben, on le garde. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai des doigts qui ne vont plus tellement bien, hein, comme je vous dis, ou j'ai des choses personnelles qui ne vont plus non plus très bien, mais voilà, c'est qu'avec la sclérose en plaques, c'est acquis, on va dire, ce qu'on a, qui reste là 2 jours, 3 jours. Alors j'avais peur que les vertiges soient là et que j'aurais été toujours obligée de me déplacer avec quelque chose, en fauteuil roulant, avec une canne, avec un déambulateur. J'avais cette peur, alors j'avais peur. Donc là, c'est un peu passé parce que c'est revenu. Bien sûr, j'ai encore un peu de vertige, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Et puis, ça a été la journée de la sclérose en plaques, le 30 mai. Donc, ça nous a permis aussi de voir qu'à la télé, beaucoup en parlaient. Et ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est un handicap invisible. Bon, moi, ça se voit de plus en plus. Mais c'est vrai que... qu'il faut avoir un peu de compréhension quand les gens montrent une carte d'invalidité et que vraiment il faut être dans la peau, parce que moi avant je comprenais mais sans plus, vous voyez, je travaillais, j'étais en pleine forme, je me comprenais pas, je savais pas, je me disais mais bon, et puis quand on est dans la maladie, hein, vous savez bien, vous toutes et tous que vous êtes là, les personnes malades comprennent, hein, je pense, certaines personnes valides comprennent aussi puisqu'ils sont des soignants ou des aidants, et puis il y a les personnes qui peuvent comprendre parce qu'ils ont été là près de personnes malades et qu'ils ont vu la maladie de leurs yeux, et je comprends tout à fait. Là, mon se rapproche, il allait beaucoup par rapport à qu'il a été dehors, mais bon voilà, il se met au frais, et voilà, pour vous dire que voilà, bah je voilà, il est... Personne de vidéo disent toujours voilà, voilà, ben voilà. Maintenant, moi je dis aussi voilà. Voilà, bon, pour vous dire ça, une petite pensée pour mon amie Marie-Sylvie, elle me comprendra, que je la soutiens et que je suis là au cas où, toujours présente. Et puis, toujours pour vous, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, hein, je suis là, je répondrai dès que je peux, je réponds. Là, je répondais assez vite parce que j'étais toujours là allongée, donc quand j'avais un message, ben, je répondais. Et puis, un bon dimanche. Merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci d'être là et de m'avoir écouté. Au revoir.